Le boom des locations de vélos à assistance électrique ces deux dernières années et les besoins en stationnement sécurisé pour les deux roues qui vont de pair incitent la CETRAM à réduire significativement le tarif abonnement des consignes à vélo. Aujourd'hui, pour accéder durant un an aux consignes vélo, ça coûte 10 euros. Auparavant, c'était 60 euros l'accès à l'année. Donc voilà, on a divisé par 6 le prix d'accès. C'est une politique globale menée par Le Mans Métropole. Il y a ces consignes pour stationner son vélo en toute sécurité. C'est une attente importante des cyclistes. Il y a aussi toute la partie location de vélo, avec plus de 3000 vélos en location à la CETRAM. Donc c'est voilà, une politique globale qui se développe sur la métropole. Un tarif moins cher pourrait motiver les gens à jongler entre deux roues et transports en commun. C'est l'enjeu de cette réduction de prix. Un bémol, sur les 7 consignes sécurisées du Mans, certaines sont prises d'assaut. Installée en 2010 à la gare, celle-ci a eu le temps d'entrer dans les mœurs et répond à un besoin massif. Mais d'autres sont un peu boudées par les cyclistes, comme celle installée devant le centre hospitalier. Il y a des problèmes en effet de saturation à la gare, on le sait parce que beaucoup de gens vont à la gare en vélo pour prendre le train derrière et c'est très important pour eux de retrouver leur vélo le soir pour rentrer chez eux. Donc les consignes de la gare voilà, sont vraiment remplies, il y a une liste d'attente si on veut y accéder. Par contre, pour accéder aux autres consignes, là il n'y a pas de problème, vous pouvez venir vous inscrire et prendre un abonnement. À noter, les consignes sont accessibles aussi bien aux personnes qui louent un vélo CETRAM qu'aux utilisateurs de leur propre bicyclette.